Salut tout le monde, c'est Shorty avec Jay-Z. Voilà. Donc excusez-nous, il y aura peut-être un petit peu de bruit de fond pendant cette vidéo, mais c'est pas grave, on va faire avec. On essaiera de nous atténuer un petit peu s'il faut. Donc on va continuer l'aventure. Je tourne cet épisode à la suite des autres. On tourne cet épisode à la suite des autres. Et on va sur Nessa, quatrième et plus grande planète du système d'Anero, abrite la grande ville de la planète. Et... j'espère que vous allez bien. Et que la chaîne vous plaît toujours autant. Parce que nous ça va. Parce que nous ça va, ouais, parfait. Surtout pour un truc que vous saurez... Que vous saurez dimanche, ouais. Ça, un truc super important. De toute façon, demain, oui, on sera dimanche demain, vu que cet épisode paraîtra samedi, si tu fais bien le taf. Je vais sauvegarder déjà. Ce dimanche paraîtra le point délire. J'en aurais un petit peu parlé dans les commentaires. Si vous aviez des questions à nous poser, vous pouvez plus puisqu'on tournera demain. Donc voilà, le point délire qui paraîtra demain. Si vous voulez poser des questions, en fait, fallait les poser avant, il y a large avant. Voilà, c'est ça. Alors, là, nous sommes sur Nessa. À partir de là. Oh punaise, c'est pas vrai. Je te jure, je crois que cette planète, mais c'est... C'est la plus chiante. Non, c'est pas ça, c'est que la musique, c'est la meilleure musique de ce jeu, c'est... Enfin, pour moi, après. Moi, je sais pas, j'entends pas. Après, le désert de Nessa, enfin, je veux pas trop spoiler. Chaque fois, je dis ça, je veux pas trop spoiler. Non, tu le fais. Je crois qu'il faut parler. Où est Sirius? Vous le trouverez du côté du 7 place. Du 7 place, oui. De cette place, attendez. Donc, on doit trouver Sirius. Hein. J'ai pas trop lu à la fin de l'épisode, excusez-moi. Il va parler à Sirius, ok. Donc j'ai pas trop lu les dialogues à la fin parce que je suis allé vraiment finir l'épisode. Je suis désolé si je vous ai un peu gâché le jeu. Vous aurez qu'à mettre en pause, même si ça va vraiment vite. Je sais pas si vous aurez le temps de lire et tout, mais excusez-moi. C'est vous qui avez donné un minerog diamant à Sirius il y a quelques temps. Mais pourquoi? Il vous faisait chanter ou quelque chose? Attendant, moi je veux voir Sirius, moi je vais pas prendre. Vous êtes vous voulez vendre des minerog? Non merci. Moi je veux plutôt des minerog. Je veux pas vendre des minerog. Alors est-ce que ce serait lui Sirius? La tempête de ça, non. J'imagine qu'il va être là-haut, l'autre boulos. Enfin on va pas là-haut. Côté S que. On va leur parler à tous, hein. On sait jamais. Et moi qui croyais devenir riche sur cette planète, on s'en fout. Est-ce qu'il serait pas là par hasard? Peut-être que c'est lui. Je sais plus. Voilà la vallée minérale. Il faut aller de l'autre côté de la planète pour ça. Pour voir la vallée minérale, il faut aller de l'autre côté de la planète pour ça. C'est ça qu'il a dit. Je crois. Parce qu'on rush. Écoutez, 1. Ça doit être, c'est lui. Je lui parle quand même à lui, mais je pense que c'est l'homme en noir. Sirius est vraiment de mauvaise humeur ces derniers temps. Surtout, n'aggravez pas son humeur. C'est déjà assez insupportable comme ça. Donc, c'est lui, Sirius. Hein. Logiquement. Un mec en noir comme ça, il y en a pas trop. Ah oui, je me rappelle du coup. Ouais. Il était dans le premier, je crois. Ça faisait longtemps, Sirius. Vous vous rendez compte que j'attends depuis une demi-heure, vous avez mis du temps. Lâche-nous la grappe, ok? C'est pas comme si on arrivait de la porte à côté. Toujours une bonne excuse, j'ai horreur d'attendre. Ouais, ouais. Et si on passe aux choses sérieuses? Qu'est-ce qui se passe avec les Kraus? Alors? Tu ne crois quand même pas que les informations passent sur les arbres? À mon avis, mes infos valent au moins 3 ou 4 minerais de diamants. Mais de quoi tu parles? Tu ne te rends pas... Tu,
te rends con, pas con. Non, mais il y a des trucs qui sont mal traduits, ouais. Excusez-nous, mais... que la situation est grave. Les Krogs vont détruire cette planète. Habitants, Minirock et tout le reste. Tu as raison. Bon, ça me rassure de savoir que tu penses aussi à la planète et pas qu'à toi. Ok, d'accord, on va dire un Minirock alors. Ce type ne comprend rien. Je suis d'accord avec toi, mon petit. Bon, on verra les détails plus tard. Il y a un site de patrouille, de fouille, appelé la Vallée Minérale, de l'autre côté de Mesa. C'est là que sont apparus les Krogs et qu'ils ont tout ravagé. Je suis sûr que ces sales bestioles essayent de voler mes précieux minéraux. Force, foncez à la Vallée Minérale et éliminez-les au plus vite. La Vallée Minérale se trouve de l'autre côté de Mesa. Tu ne peux y accéder qu'avec le croiseur. Pas de problème, on arrive aussi vite que possible. Allez. J'espère que mon fail sur le Grand Krogs vous aura plu. Franchement, c'était... On l'a géré, Grand Krogs. On l'a géré. Je trouve pas de jazz. Je sais pas. Aucune idée. Pas la première fois. Ouais, pas la première fois, c'est sûr. Enfin, avoue que je me suis bien démerdé quand même la première fois. Ouais. Il est où là? Sur Nessa, de l'autre côté, dans le désert de Nessa, si je me rappelle bien. Il me semble qu'on peut passer. Alors, The Voice ou pas The Voice? En fait, oh, mais ça lag! Vous verrez sur The Voice si je suis en train de connaître. Merde, non, je rigole. Ça lag un petit peu. Hein. C'est parce qu'en même temps, on est en train de mettre la vidéo, je pense, sur YouTube, la vidéo de DQM. Qui était en retard. Qui était en retard, mais excusez-moi. Qui viendra lundi, donc en gros, qui est déjà sorti. Ouais, donc il est déjà sorti. Donc à mon avis, vous savez à quel moment on le sort. Non, on l'a. Non. On fait cet épisode. Ouais. Lundi, on fait tout lundi là. On profite avant que les vacances se terminent. Donc quatrième et plus grand système, bon, on s'en fout. Cette zone... je dis on s'en fiche, mais je lis quand même. Cette zone désertique est riche en minéraux. Allez, on y go. Désert de Nessa. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Nous on n'en sait rien. Si vous passez le brevet, pensez à nous. Parce que nous aussi. Enfin, cette année on va passer le brevet. On entre en troisième. Donc je vous dis, profitez bien de votre quatrième. Et les classes avant. Donc là, S. On va mettre... formation comme et Vilou. Ça, de toute façon, Vilou, je pense pas que je le garderai parce que c'est vite 000. Je l'ai pas nommé. Allez, un petit peu trop bas, histoire d'XP un petit peu. Ils font moins mal, hein. Ouais, grave, mais ils sont du bon type. Normalement j'ai fait la... ouais, 143. Ah, il y a encore un Vilote. Non, plus pour longtemps. Petrova, il s'appelait Petrova le mec. Il y a deux tornades, pas grave, ça XP un petit peu. Il faut XP, c'est important, même si c'est chiant, pour vous le dire. Ça l'est tout autant pour moi que pour vous et que pour Jay-Z. Mais c'est important pour la suite de l'histoire. Tout comme les jeux Pokémon, tout comme n'importe quel jeu avec du combat et avec des niveaux, tout simplement. Voilà. Bon, ça prend son temps, mais ça va. On avance vite, enfin tu avances vite. Ouais. C'est sûr que les premiers épisodes de Spectrum et DQM, on s'est traîné un petit peu. Mais là, avec Jay-Z, on se rebooste un petit peu, donc on avance. À notre rythme, on avance. Au moins, on avance un petit peu. Vous aurez sûrement remarqué que dans les précédents épisodes... What? Il parle un peu fort, là. Vous aurez remarqué que plutôt que dans les derniers épisodes de Spectrum, DQM, tout ce qui sont sortis... Enfin, en fait, ils t'entendent super bien, là. Le micro, il t'entend bien, t'as même pas besoin que tu peux parler comme ça, moi, ouais.
Donc je voulais dire, En fait, là, ils se sont cassés les oreilles. on a plutôt bien avancé. Oh non, Mais ça va ça y est, maintenant va tellement falloir un vite. faux truc flash. Oh. Ouais, flash. J'ai déjà vu ça quelque part. Un vecteur smack noir me bloque le Bah, parcours. il est plus Merci. vite, hein. Ralan, que se passe-t-il? Un autre vortex noir, mais différent de celui de la dernière fois. Il est en partie rouge. Je me demande ce que ça veut dire. Réfléchis un Volos, peu. Corona, ça ne dit rien. Ralan, Gina, vous me recevez? Professeur Wright. Commandant Grant m'a dit que vous étiez à Nessa tous les deux. Ouais, et on est en plein désert pour l'instant. Mais un vortex noir bloque le passage. Vous voyez une lueur rouge dans le vortex, n'est-ce pas? Comment savez-vous ça? Dieu merci, il n'est pas trop tard, Alan. Ne t'approche pas trop de ça. Le Kraus à l'intérieur possède la tribu Corona. Tu n'as jamais affronté ce genre de Kraus. Tu vas avoir besoin de Spectrum Flash si tu veux le vaincre. C'est bien ce que je pense. Professeur Wright, Alan n'a pas de fossiles Spectrum Flash. Ne t'inquiète pas, on vient juste de découvrir des fossiles de Spectrum Flash dans le désert. Il était temps. Eh Bien oui, sûr. tu te souviens peut-être juste au-dessus d'eux. Tu dois placer deux Spectrum Flash dans ton prison mode avant d'affronter le Vortex. Ouais, bon. On connaît la chanson. Des terres de fossiles de Spectrum Flash et réveillés dans le labo, puis dans l'air des mini-rocks, ouais, machin. On connaît. Enfin, tu connais. Bon, écoutez. Ellipse. Je vais chercher des mini-rocks, je vais chercher des fossiles, deux fossiles flash, et on se retrouve devant ce vortex. Allez, à toutes. Et donc, donc voilà. Et donc voilà. Et donc voilà. Et voilà. Donc j'ai trouvé Affaire. un seul fossile. On va chercher le dernier ensemble. C'est galère parce que j'ai dû recommencer à rebattre les tornades comme j'étais parti. J'ai trouvé un rhizapode. C'est un bon spectrum. C'est un très bon spectrum, dans mes souvenirs. C'est un très bon spectrum. On ne fait pas la même connerie que tout à l'heure, c'est-à-dire on ne sort pas, sinon après c'est galère, on doit recombattre les tornades et tout. Oh! Donc écoutez, on n'a pas encore résolu le bug des. Va dessus, toi! Donc je disais, on n'a pas encore résolu le bug des fossiles, tout ça, mais bon, on arrive globalement à les déterrer, Jay-Z et moi, en faisant très attention, même si on n'y voit rien, mais bon, c'est pas grave. On On s'en essaye de sort. sauvegarder un peu ce qu'il y avait avant et casser ce qu'il y avait avant. Voilà, on y va. Ça va être un rhizapode, je parie. Si ça bug pas, ça sera une grande première, hein, autant vous le dire. Je pense que c'est plus. Oh! C'est une grande première! Quoi? Ah oui, non C'est mais pas c'est ça. le sable ça. Mais je pense que c'est plus prendre des. C'est bon. C'est une grande première, ça avait pas bugué maintenant. Au moment où j'utilise la souffleuse, ça bug. Mais on l'a. Rhizapode, donc voilà. Donc c'est bon, parfait. On retourne au croiseur, on les réveille et on continue l'aventure. Hein. Adventure. On va pas capturer le deuxième qu'il y avait avant, ça sert à rien. Quel deuxième? Parce qu'il y en avait un deuxième là à côté. Ah, il y avait un deuxième fossile? Moi, tant pis. De toute façon, je garderai sûrement pas les deux mêmes. Comme vous voyez, Speedball. Et ouais, on va sauvegarder. On va soigner. Donc, quand vous voyez Speedball, je vais pas garder. Il y a un Speedball que je vais enlever, donc le moins XP, le niveau 7. Et il y a un Rhizapod que je garderai pas, ça c'est sûr. Parce qu'il faut une équipe homogène. C'est comme dans Pokémon, vous pouvez pas avoir une équipe que trop cool. D'ailleurs, ce serait con ça, se faire une équipe que trop cool. Par contre, il y a des voix qui sont prenantes dans la tête. Hein. Réveil. Je Quoi? pense niveau 9, c'est pas mal. Anupod. Oh, oui, j'ai trouvé c'est un fossile de type feu. Donc on va le réveiller. Qui sait ça? Si c'est un bon fossile, je le garderai peut-être. Donc allez, V. Commencer, ce serait mieux aussi. Ah
Ah ouais. Pas du tout. Bah écoutez, peut-être qu'on verra ça. Quand on avancera au fur et à mesure dans le jeu. Donc on va l'appeler Anubis. Manfire. Parce que c'est une main en feu. Man. Et là c'est man. F-I-R. C'est homme. Manfire. On va l'appeler Manfire. Parce que main, ça s'écrit pas comme ça en fait. On s'en fiche. Et lui, on l'appellera. Oh, tu te mets, oui. Mais. Risotto. Pas bête. Non. Mais il n'y aura pas assez de place. Bon, allez, de toute façon, commencer. D'ailleurs, j'ai regardé ton épisode 2 de DQM, il y avait moyen d'écrire chauve qui peut. Hein. Suffisait de mettre CHOVQ ou je sais plus, mais il y avait moyen. Donc on va l'appeler Rizzy. CHO. Ouais, mais c'est pas grave. V. Il y avait moyen. Ça. Après, est-ce que tu peux les renommer? Je crois, je sais pas. Et Rizzy, on va l'appeler ou Rizouille si à Rizzo. Risotto si à la place. Allez, je vais commencer. Donc V. Maintenant, on va devoir ramasser des minéraux. Non, j'en ai ramassé un petit peu. Avec ça. J'espère qu'il y en aura assez pas mal. Donc Risotto. Rizotto. Parfait. Bon, ce sera pas écrit de la bonne façon, je pense. Hop. Et on s'en fout. Allez. Incubateur. On place risotto. Hop, hop. Hop. Oui, j'en profite pour faire ça. Hop. Quitter. J'ai ramassé pas mal de mini-rocs. J'espère que ça suffira. Enfin, j'espère. J'espère. Bon, allez. Attends, mets en pause. Je reviens vite. Non, non, c'est bon. Si, Bah, si, je si. continue. Non, 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 mais c'est pas grave. C'est pas grave, Osef. C'est parce que la télé est trop forte. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, l'épisode sera bientôt fini. Ouais, il brille. Bon, il y aura peut-être pas assez. C'est chiant. Non, pas toi. Si, si. Allez, c'est bon. Tu brilles? Ah, bah pas celui-là, rouge et tout ça, ça fonctionne quand même. Oh, merde. Il y en a deux, j'espère que ça marchera. Ça les bouffe pas. Parce que vu que c'est pour les adultes. Ah ouais. Donc écoutez, on va déjà le faire évoluer lui. J'ai rien d'autre. Non. Tant pis. Oui, faire évoluer ce spectre. Rigazelle. Ouais, bon ben, je pense que tant pis, on fera un épisode un peu plus court. Faut qu'on tourne DQM. On va s'arrêter là. On aura fait un petit peu Nessa. Et puis, en off, avant de commencer l'épisode 7. 7. Ouais. On fera évoluer Risotto, je crois. C'est Risotto qui a pas évolué. Ou soit Rizzy. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez le tralala. Et on se dit bientôt pour la superbe vidéo Point Délire qui sort demain. Donc je vous conseille de la regarder. Parce que c'est... C'est, vous allez en savoir un peu plus sur nous, sur quelque chose sur la chaîne, sur le programme, sur plein de choses. Donc, je vous conseille de la regarder. D'ici là, ben, bye tout le monde. Ah, il est moche. Il est flash, non? Non, il est plante. Pour Aurora. Donc, on va l'appeler Boomer.